Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui chez vous. Alors, nous avons 5 points au Yotorotala Nabino. Le premier est à la fin et à la consultation où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait entrepris depuis plus de 2 semaines de cela maintenant. Alors, nous vous mettrons les réactions de la plupart des lieutenants du FCC et de CACH parce que ici, les deux camps, Bimisi, Biceps, en tout cas, Toyibsa Kibino, qu'il y a une certaine crise au Yoezana Katiaba partenaire Wana et le fait que le FCC n'ait pas participé pour finir à ces consultations montre que ces gens-là avaient quelque chose à se reprocher parce que ici, le chef de l'État avait appelé à l'union sacrée. Donc ça veut dire que tout le monde devait venir pour que le pays puisse avancer. Et dès l'instant où nous remarquons qu'il y a un camp qui n'a pas voulu participer à une union sacrée, parce que le chef de l'État ici, vous vous souviendrez qu'il n'a pas parlé de divorce avec son partenaire du FCC. En tout cas, lui, il a parlé d'une union sacrée pour que le pays puisse s'envoler, pour qu'on puisse refonder l'action gouvernementale. Mais ici, malheureusement, Tozanaba Ndekonabiso Oyoya FCC, qui ont pris le pays en otage depuis plus de 18 ans, qui ont vu en tout cas cette démarche d'un mauvais œil et qui n'ont pas voulu participer aux consultations. Alors nous essayerons d'analyser tout ça avec vous, Bokoyoka, Binomoko, réaction de chaque camp et nous essayerons d'analyser, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces agitations parce que ici il y a eu des menaces, il faut le dire, qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux. Nous avons le camp du FCC qui a promis de ramener le Congo 60 ans en arrière et je crois que ici, nous devons essayer de décortiquer qu'est-ce qui se cache derrière toute cette agitation de la part des partenaires du président Félix Antoine Tshisekedi. En deuxième point, nous parlerons de la santé de M. Vital Kamerhe. Vous savez qu'il a été visité par le vice-ministre de la Justice, Oyo, qui parle aujourd'hui d'une possibilité d'évacuation à l'étranger. Ça a créé beaucoup de remous dans les réseaux sociaux, Penakati Yaba Congolais, et nous analyserons tout ça avec vous. En troisième point, nous parlerons des nouvelles mesures qui vont rentrer en vigueur ici en RDC concernant la deuxième vague de coronavirus qui risque d'avoir lieu en RDC. Nous sommes en train de prier pour que cette deuxième vague ne puisse pas avoir lieu, mais ici, le gouvernement a pris déjà des mesures pour prévenir en cas de deuxième vague Nakati Mboka Nabiso. Et en quatrième point, nous vous mettrons la réaction de Noël Tchani, qui était candidat président aux élections de 2018. Awa, en tout cas, il est en train de s'offusquer du salaire que perçoit l'ancien président de la République, à savoir le sénateur à vie Joseph Kabila, qui perçoit à lui tout seul plus de 185 millions de dollars par mois, ce qui est extrêmement excessif, avec plus de 2500 militaires pour sa sécurité. Et donc ici, il faut savoir que ce salaire est en train de peser sur le budget de l'État. En cinquième point, vous devez savoir qu'il y a une caravane de la paix qui a été envoyée au Kivu avec à sa tête M. Bitakwira et M. Yannick Lutandila, qui est le représentant personnel du chef de l'État, Togotie Labino, Malobana Bango, Bokomona Pe, Ndengenyo Sorana et Lekaki. Voilà Bandeko, avant de commencer notre émission, Ndengetoyibsa Kabino, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Appuyez sur le bouton notification, cela vous permettra en tout cas de pouvoir être alerté dès qu'une de nos émissions sera mise en ligne. Avant de commencer notre émission, nous tenons à remercier le vice-ministre M. Didier Boudimbou qui nous a assisté pour la formation en informatique des amis de Fatshi. En tout cas, vraiment, merci pour la participation, Naye. Nous espérons que nous aurons d'autres ministres qui vont nous soutenir et nous encourager dans les démarches des amis de Fatshi. Alors, Awa Bandeko, Tobandi directement avec le premier point, c'est qu'il faut savoir, c'est la fin des consultations. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? C'est que le FCC, qui devait participer à ces consultations, a boudé ces consultations du chef de l'État. Et au lieu même de garder silence, ils ont préféré proférer des menaces en disant que
le président devait juste se conformer à l'accord FCC-CACH et qu'il n'y avait pas de crise entre eux. Et l'Okoyo, il faut savoir, est-ce que dès l'instant où nous avons un premier ministre qui ne signe pas ou qui proteste contre les décisions du chef de l'État, je crois qu'on peut appeler ça une crise entre le chef de l'État et le premier ministre. Dès l'instant où il y a une cérémonie de prestation de serment et que certains membres du gouvernement n'assistent pas, je crois qu'on peut dire qu'il y a une crise. Dès l'instant où il y a des mandataires qui ont été nommés par le chef de l'État et qu'il y a un ministre qui refuse de notifier la décision du chef de l'État, nous pouvons parler effectivement qu'il y a une crise. Donc, c'est plusieurs éléments. Oyo, Ezola dit ça, qu'il y avait une volonté du chef de l'État que le pays puisse s'envoler, qu'il puisse y avoir un développement économique, politique, social. Mais tout ça a été freiné par les partenaires du chef de l'État. C'est ainsi que le chef de l'État avait dit lui-même qu'il ne peut pas concevoir qu'il puisse y avoir un accord au-dessus de l'intérêt du peuple congolais. Et c'est pour ça qu'il avait appelé à ses consultations pour créer une union sacrée. Dans cette union sacrée, il ne parlait pas de divorce avec le FCC. Il parlait tout simplement de trouver des solutions, de pouvoir changer peut-être certaines têtes au sein du gouvernement pour faire avancer son action, l'action gouvernementale. Parce qu'ici, il disait qu'il sera le seul comptable devant le peuple congolais lors des élections de 2023. Mais malheureusement, Tomoni Kuba, partenaire au OUYA FCC, ont décidé de bouder, ont décidé de ne pas participer à ces consultations. Je crois que cette attitude tend à démontrer que ces gens-là ont, d'une manière peut-être inconsciente, montré que le vrai problème venait d'eux. Parce que ici, Bogomona Binomoko Bandeko, il y a eu même les opposants. Monsieur Jean-Pierre Bemba avait fait le déplacement et venu à ses consultations. Nous avons Monsieur Moïse Katumbi qui a fait le déplacement, qui est venu à ses consultations. Nous avons vu toutes les couches sociales de Katiambo Kanabiso qui se sont déplacées pour trouver des solutions pour que le pays puisse aller de l'avant. Donc tous les Congolais ont eu un souci de participer à ces consultations parce qu'ils veulent le bien-être de Katiambo Kanabiso. Même si nous remarquons que les Anabatoumisousou qui ont fait le déplacement en espérant que Bakouzoua va poste. Et le Koyotokoloba Awa, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, c'est que le chef de l'État n'a plus droit à l'erreur, ne peut pas faire marche arrière dans son élan et dans l'espoir qu'il a suscité dans le cœur de plusieurs Congolais, de millions de Congolais. C'est qu'aujourd'hui, il doit tout mettre en place. Aujourd'hui, le peuple est en train de l'attendre dans un discours qui doit, en tout cas, relever Mbokanabiso. Alors ici, Toko Lobamingite, Toko Tielabino, d'abord peut-être réaction, il y a M. Peter Kazadi concernant la fin des consultations. Bolanda. Moi j'aime la belle vie, mais j'ai choisi de faire l'opposition. Ce n'est pas puisque Nazagi Zoba, Bande Komusu Totangana Bango, Obazagi plus mien que moi, Bakena na ba FCC, Bazo Bambongo et Bele, Basoma ba Imeb, Nana Tikala na opposition. Les lots ont un pouvoir. Pour tout sauver le peuple. Le nom de Moningana Kobanga Moutoua aïe na menace que je vais m'assumer. Mais nous aussi, nous allons nous assumer. Non. Et ça menace, c'est option. Oui, c'est option. Celui qui opte pour le statu quo, il va le faire. Nous avons opté pour progresser et nous allons progresser. Là, je parle à l'avocat et on parle le texte. Ce qui est bon, c'est Bango va lui assumer cohabitation. Oui. C'est-à-dire que Bango va au Kamba gouvernement à 100%. Tu sais, je l'ai dit. Ce qui y a des gens qui rêvent au FCC que biso togoti ka bango ba bomambo ko yu. Hein? Te ko bomambo ka te wala ba texte te. Nga na zo lo ba boyi. Moi je parle de texte. J'ai dit que le président de la République est le garant de la bonne marche des institutions. Oui. Ces institutions peuvent être animées par n'importe quel Congolais. En cas de dérapage, il va régler et remettre chacun à sa place. Je vous dis que ce qui togo gené na opposition na cohabitation, plus rien ne sera comme avant. Oh, Batoubazo, puiser na caisse à l'État n'est pas lingue. Les chefs bas, ils aient de ses prérogatives constitutionnelles pour remettre les choses en ordre. Donc, cohabitation, mais Bino Bogozala, très alerte. Papa, nous sommes au pouvoir, tous alertes. Bon, quand ceux qui t'ont gagné, la cohabitation, de Togozala, Togozala, Pongi. Comment ça? À l'IDPS, nous nous gérons nous-mêmes, nous nous contrôlons nous-mêmes. Nga n'est pas le bon bruit. Donc vous êtes prêt à accepter la cohabitation? Nous sommes prêts
à faire avancer les pays. Non, oui, la question, comment la lobby, oui, mais la lobby, non, mais au cas où Bozu majorité était. Question Zaboué, pardon, Libisa, maître Pesta Kazadi. Vous êtes prêt à aller en cohabitation? Nalobi, que nous sommes prêts à rompre avec toute gestion chaotique avec ces pays, dans ces pays. Oui, mais on parle déjà des conséquences de cette rupture. On parle des conséquences de cette rupture. Oui, mais je vous ai répondu. Donc vous êtes prêt à aller en cohabitation? Nalobi, que Oyo Nyonso, et que ça, la question, il s'en va, on a si matogon ni mangote. Oh, non, c'est comme ça. Ceux qui cohabitation et qu'on fait avancer Mboka, nous sommes prêts. Voilà, Bandeko. Ici, nous allons vous mettre la réaction du président AI de l'UDPS, à savoir M. Jean-Marc Kabound, qui aujourd'hui a annoncé qu'il n'y aura plus de coalition, il n'y aura pas de cohabitation, et qu'il faut tourner la page de cette alliance FCC-CASH. Alors, Tokotie Labino Malobanae, comme ça, Boyoka Nengazo s'est justifié concernant Malobawana Boulan. Il faut noter que nous sommes venus répondre à l'invitation du chef de l'État suite aux consultations telles qu'initiées par lui. Nous, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, est porteur d'un double message. Le premier consiste à lui dire que le peuple, dont nous sommes un échantillon significatif, croit en lui. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir. Le peuple a constaté que le président Félix Tshisekedi a la volonté politique, chose qui a manqué aux dirigeants politiques de ces pays depuis son accession à l'indépendance. Et cette volonté politique se matérialise par des actes concrets, notamment la gratuité de l'enseignement, la volonté d'instaurer un état de droit qui aujourd'hui se matérialise par une justice indépendante. La dernière ordonnance du Conseil d'État en est une illustration. Nous lui avons aussi dit que le peuple qui a été bercé par la vision de l'UDPS attend plus que ce qui est déjà fait, notamment sur le plan social, sur le plan économique et tant d'autres. Ce peuple-là qui croit en lui pense que le peuple d'abord, qui est la cristallisation de notre vision politique, est une réalité et le chef de l'État doit tout mettre en œuvre pour que cela soit une réalité. Donc, cela doit passer par une reconfiguration de la classe politique, parce que le véritable problème dans notre pays, ce n'est pas le Congo, mais c'est l'homme politique congolais. Vous savez, le monde retiendra, l'humanité tout entière retiendra, voudrais-je dire, que Félix Tshisekedi, comme président de la République, avec sa machine politique, l'UDPS, sont en train de réussir un coup que personne ne pouvait s'y attendre. C'est celui de déboulonner un système installé dans ces pays depuis 1960. Vous allez me poser la question, c'est quel système? C'est un système basé sur la prédation, un système méchant, un système qui ne considérait pas les Congolais et les Congos. Même la colonisation n'a pas fait ce que ces systèmes, tout en étant libres, mais le peuple congolais a été asservi. Ils étaient des esclaves sur leur propre sol. Et Félix Tshisekedi, comme chef de l'État, veut déboulonner ce système. Mais concrètement, qu'est-ce que vous entendez par la reconfiguration politique? Nous lui avons dit de manière claire, à haute et intelligible voix, que l'Union pour la démocratie et le progrès social voudrait qu'il tourne la page de la coalition FCC-CASH. Et donc la reconfiguration dont vous parlez, justement, c'est aussi appuyé avec le fait que le FCC est majoritaire au Parlement. Quel mécanisme mettre en place justement pour avoir... Vous le saurez, monsieur le journaliste. Ce qui est vrai, que nous lui avons aussi dit que depuis que ces consultations ont commencé, nous avons senti la volonté des Congolais de s'unir autour de lui dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation, afin de faire décoller ce pays. L'UDPS est prête pour la cohabitation? Il n'y aura ni cohabitation ni coalition dans ce pays. Il faut tourner la page. Sur quelle note se terminent ces concertations ou ces consultations à votre avis? Nous sommes plus qu'heureux. Les succès qu'a
remporter ces consultations nous laisse sans mots. Parce que, vous savez, faire adhérer l'opposition dans une démarche, ce n'est pas chose facile. Mais vous avez vu qu'à travers ces consultations, le peuple congolais, réuni comme un seul homme, a dit à Félix Tshisekedi que nous sommes derrière vous. Et en tout état de cause, ce n'est pas un problème d'individu. Devons nous mettre en tête que c'est le Congo qui a gagné. Et les Congolais de tous les horizons veulent voir leur pays se développer. Ce n'est pas normal que notre pays soit à la traîne. Vous voyez les 9 pays qui nous entourent et faites la comparaison. Dans un passé récent, vous avez eu des bons mots pour votre allié, le FCC. Qu'est-ce qui justifie ces brusques changements? Au tempore, au morenso. Ouais, autre temps, autre temps, autre mœurs. Qu'est-ce que vous attendez de ces consultations en tant que député? Écoutez, vous savez, la politique de la chaise vide, oui, c'est une bonne politique. Hein. Mais je leur donne un petit conseil d'amis, ils doivent avoir de l'énergie pour faire face. Nous l'avons fait. Voilà, Bandeko, nous allons vous mettre également la réaction de M. Kitenge Yesu, qui est le haut conseiller du chef de l'État, Bokoyoka Malobanaye. Qu'est-ce qu'il pense de la fin de ces consultations? Voilà. Lorsque seul un homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Ce que nous allons connaître bientôt. Est-ce que ces consultations vont conduire à un changement radical de la marche du pays? Absolument. Elles n'auront pas été faites pour rien. C'est pour changer la gouvernance du pays. Et il en sera ainsi. Mais vos partenaires du FCC ont boudé et ont demandé plutôt un dialogue dans le cadre de l'accord de coalition et de la constitution de la République. Je vous répondrai d'une manière parabolique. N'oubliez jamais qu'il existe 4 choses dans la vie qu'on ne pourra jamais rattraper. La pierre après l'avoir lancée, les mots après les avoir dit, l'occasion après l'avoir perdue, le temps après qu'il soit passé. Il est impossible un dialogue ou un échange entre le président Tshisekedi et l'ancien président Kabila après ces consultations? Ça, c'est une question à laquelle le chef de l'État lui-même peut répondre. Mais apparemment, les religieux, les évêques catholiques, sont dans une démarche de réconciliation. Moi, je crois que les évêques sont en train d'abandonner leur mission principale. Hein. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais ils semblent abandonner leur mission principale. Vous êtes en forme, on vous dit malade? Ceux qui ont écrit ces inepties sur mon état de santé sont des mortels comme vous et moi. Tout ce qu'ils me souhaitent peut leur arriver. Voyons voir comment sera ce mois qui va suivre le mois de décembre. Voilà Bandeko, maintenant nous allons vous mettre la réaction Yabatu Oyobazana Katia FCC qui ont participé à ces consultations. Ici nous avons M. Bienvenu Akilimani qui lui a pris son courage à deux mains pour l'intérêt du peuple congolais. Il a dit qu'il est prêt aujourd'hui à défier camarade Naye et à FCC pour l'intérêt du peuple congolais. En tout cas, te remercier pour notre courage Naye parce que aujourd'hui c'est l'intérêt du peuple congolais qu'on doit mettre en avant. Aujourd'hui, le socle de nos priorités, ça doit être le peuple congolais et non pas autre chose, ça doit être l'intérêt du peuple congolais. Donc, awa, te féliciter et pour notre courage Naye. Et si nous avons une remarque à faire, c'est que le chef de l'État doit tenir compte de toutes ces personnes qui aujourd'hui ont préféré braver la peur pour rejoindre son appel. Et donc ici, nous n'avons plus droit, comme je l'avais dit, à l'erreur. Totielibino Malobaya, bienvenue à Kilimani Bolanda. Des partis politiques membres de AAB, du FCC, mais qui ont accepté de se mettre derrière l'initiative salvatrice du chef de l'État, enfin de faire sortir notre pays de ce bourbier où il se trouve. Voilà pourquoi nous avons répondu vite à l'appel du chef de l'État et nous avons bravé et la peur et tout ce que vous pouvez penser. En tant que FCC, nous nous sommes dit non, cette initiative est salvatrice et républicaine pour notre pays et donc nous ne pouvons pas ne pas venir apporter notre petite contribution à cette initiative. Vous savez que dans le FCC, c'est la pensée unique. Lorsque le président honoraire Joseph Kabila parle, et donc c'est amène
mais nous avons dit non, ce système de pensée unique doit prendre fin. Nous ne pouvons pas faire toute une organisation pour la survie d'une seule personne. Nous avons fait l'organisation, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Nous appelons tout simplement tous les autres membres du FCC à venir nous rejoindre. Demain ou après-demain, ils seront responsables devant l'histoire. Et je me demande quelle histoire ils vont laisser à leurs petits-fils. Mais donc, nous les demandons vraiment de rejoindre l'Union sacrée des... Voilà, Bandeko. Et là, comme nous il faut boyer, c'est qu'à côté de ça, nous avons eu des menaces. Des menaces, il y a soldats ou bien lieutenants, il y a FCC. Ici, nous avons un certain monsieur du nom de Barnabé, qui est un proche de monsieur Roubaix-Roy. Ici, au lieu d'avoir un discours conciliant, au lieu de parler de paix, Boyo Kabino Moko, dans un discours assez menaçant, ce monsieur a essayé d'expliquer qu'il est venu par les armes et il repartira par les armes. Je crois que de telles attitudes et de tels comportements ou de tels messages dans les médias, en tout cas, je crois que c'est envers ces gens-là que l'ANR doit plutôt montrer ses biceps que plutôt vers une chanteuse qui essayait peut-être de ressusciter de sa mort musicale. Alors ici, nous avons quelqu'un qui menace toute une nation devant, aux yeux de tout le monde, et aucune réaction de l'ANR, aucune réaction des services de renseignement ou des services de sécurité. Et à mon avis, alors, ton côté, Labino, Malobanae, comme ça, Bolanda. Vous étiez en direct, tu es belé. Côté les médailles, moquette et basalico le bandé, ceux qui ont allé moto à Kabila, vraiment faut bander au préparer Pébissa Kanaïo. Y'a aucun de web. Nanaïa qui s'en a mounduki. Nanaïa Kadogo, Nanaïa qui s'en a mounduki. Nanaïa qui n'a moins si n'a banati. Pour Nabiso, battu à Bukav, battu à Kiv, pour Nakobi Matsa, tu m'as qu'un anjid. Tu m'as qu'un anjid. Tout à l'heure, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu Congo central. On a un peu de on a un peu de temps, donc, pour la bimawa, il faut maquiller la soukwa. Mais on a pas un peu de temps. Nous, ce pays est tel que nous sommes parce que nous sommes tous allés là. Nous sommes tous allés là, nous sommes tous allés là. Nous sommes tous allés là, nous sommes tous allés là. Intégrer l'armée. Tu comprends, maman? Si aujourd'hui la liberté d'expression est pour Nabiso, pour que tu sois Simba Mundouki. Mais là, il y a un peu de temps, tu es Simba Mundouki. Tu vends ça. Je suis venu à Kinshasa par les armes. Pour la longue, il faut les armes. Pour la bima, nga Barnabé, na bima, awa, na zonga Bukavu. Il faut Mundouki. Tu comprends? Ndeko Barnabé soutient Kabila Atikala. Na Congo, le cola ancien président, Penakati, il y a une institution en Bokanabiso. Baba qui s'est la EP, 670 000 dollars et à Mouke, va payer 3 700 000. Tossi, d'ici pour aller. Merci beaucoup. Merci à vous tous fidèles de MMTV. Vous étiez nombreux à nous suivre en direct sur. Voilà, ma dépôt pour outil Koyoka, ma menace, il y a proche, il y a M. Roubaix-Roy, ou Azaki Kadogo, Ayaki en tant que Kadogo, et Oyolelo, Azo menacé d'embraser Mbokanabiso. Vous avez dit que, en tout cas, le FCC ne se cache pas, le Baki Bangomoro, qu'ils vont remettre le Congo 60 ans en arrière, ils vont remettre le Congo à zéro. Alors, la question qu'on se pose ici, c'est depuis qu'ils sont là, depuis 18 ans, à quel niveau ils ont ramené ou ils ont amené le Congo pour dire qu'ils vont le remettre en arrière, qu'ils vont le remettre à zéro. Ici, les seules personnes qui ont bénéficié de l'avènement de l'AFDL, c'est plutôt des individus. C'est surtout quelques individus qui ont détourné des millions, à part ces quelques individus, à part quelques familles qui ont bénéficié du régime de Joseph Kabila. Le peuple aujourd'hui est à l'abandon, aujourd'hui le peuple est misérable. Et donc ici, je crois que nous devons condamner de tels propos. Voilà, Maneko, ici vous devez savoir que dans la même catégorie ou bien dans le même élan, nous avons également, et nous allons vous remettre les propos de M. Beauchard, qui avait également des propos menaçants. Mais ici, nous rappelons que le chef de l'État a parlé de l'union sacrée pour relever le pays. Donc il ouvrait la porte à tout le monde. Et au lieu d'avoir des gens qui auraient un discours conciliant, un
discours constructif, nous avons des gens qui nous promettent le feu et le sang. Toti Libino, Malobaya, M. Bocha, Bolana. Pourquoi le FCC ne parle pas? Est-ce que le FCC s'est résigné? Non, il n'y a pas eu résignation. Je vais simplement vous dire ceci. Vous connaissez les tigres, non? Est-ce que vous avez déjà vu les tigres en bourse ou dans la savane en train de crier de sa tigrité? De moi, je suis tigre. Non, les tigres sont tranquilles, mais mettez seulement votre bras, vous verrez ce que c'est qu'un tigre. Et donc, il n'y a pas résignation, il n'y a pas approbation, il n'y a pas non plus désapprobation. Non, c'est une question de sûreté. Lorsqu'on est sûr de soi-même, on ne va pas faire des agitations, on reste tranquille. On s'est dit, lorsqu'il y a un jeune qui commence à peine la boxe, il lui vient parce qu'il est fâché, il dit à ses camarades, vous savez, je suis à mesure maintenant de vous frapper tous, et l'entraîneur et vous-même. Est-ce que l'entraîneur va se fâcher? L'entraîneur ne se fâche pas, il regarde ses bras. Voilà, Badeko, tout l'équipe Balamoko au deuxième point. Eza, M. Vital Kamer, Oyo Balobik, Etanaye, Ezo s'empirer, Ezo s'aggraver. Alors, ici, on parle d'une évacuation sanitaire à l'étranger. Bissot, nous n'allons pas, en tout cas, émettre notre avis là-dessus, mais l'Okoyo, nous devons dire, c'est que dès l'instant où M. Vital Kamer peut être évacué à l'étranger, je pense que tous les prisonniers Nakatiambokana Bissot devraient avoir droit au même traitement que M. Vital Kamere. Donc ici, si M. Vital Kamere est évacué à l'étranger, parce que je ne crois pas que c'est un prisonnier VIP, il n'y a pas de prisonnier VIP chez nous, je crois que tous les autres qui seraient malades, que ce soit M. Eddy Capend ou un autre, devraient pouvoir bénéficier du même traitement. Alors, Trottier Labino, information, Anna Bolan. Alerté par le directeur général de la prison centrale de Makala sur la détérioration de la santé de l'ancien speaker de la chambre basse du Parlement au centre Nganda, maître Bernard Takeishi Ngundi a tenu à s'enquérir personnellement de la situation. Au sortir de cette visite, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Aï, juge l'état de santé de Vital Kamere des morbides est très préoccupant. J'ai été saisi par le directeur de prison que la situation de M. Kamer était préoccupante. Ça a attiré beaucoup notre attention. Voir si cette information était correcte et de vrai. Nous venons de voir M. Kamer, mais il est dans une situation pas très, très, très confortable. Donc il est sérieusement malade. Ça nécessite qu'on puisse avoir des soins appropriés pour que sa situation puisse s'améliorer. Mais sinon, ça risque d'être une catastrophe. Nous allons devoir étudier avec les services pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons opérer comme choix par rapport à une officine qui peut le prendre suffisamment en charge. Et s'il y aura peut-être nécessité de le faire évacuer, on n'hésitera pas compte tenu de son état de santé. Juste après, maître Bernard Takeishi Ngundi a dû réunir ses services en vue d'une solution urgente. Si tout va bien, Vital Kamere pourra être évacué en dehors du pays pour des soins appropriés. Voilà, Bandeko, vous avez dit qu'on est en train de nous parler d'une deuxième vague de coronavirus, de cette épidémie mondialement connue aujourd'hui. Alors, Nakatiambokanabiso, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Bokoyo Kabino Moko Malobaya, ministre, il y a communication, monsieur Jolino Makelele, qui est en train de parler des mesures qui seront prises par rapport à cela. Tokoti Labinope Maloba, Bokolanda, Binomoko, et général Kasongo, et à la police, Oyo, Bazo, préparer ma mesure pour nous contrer deuxième vague de coronavirus. Alors, tout est libino, ma image, nous, surtout, comme ça, Bolanda.
Le Premier ministre a bien voulu réunir les membres du comité multisectoriel ainsi que les services concernés par la lutte contre cette pandémie de la COVID-19 afin de faire le point sur l'évolution de cette deuxième vague qui est en train de venir au Congo. Et les participants ont convenu tous qu'il fallait prendre des mesures, mais que ces mesures doivent s'ajouter à celles qui étaient déjà annoncées par le gouvernement dans les dispositions précédentes. Et donc, il y a aussi un comité qui va être mis en place, qui l'est déjà, et qui va appréhender toute la dimension de la problématique, depuis la problématique de difficultés qu'on rencontre aux aéroports jusqu'aux mesures curatives. Eh bien, ce comité va mettre au point les dispositions qui permettront à la plénière de se réunir probablement le samedi sous la houlette du Premier ministre afin de prendre à cette occasion-là les décisions idoines qui doivent aller avec l'évolution de cette pandémie. Disons, dans notre temps, les mesures n'ont pas changé. Il faut respecter les gestes barrières, les distanciations notamment. Mais on a constaté effectivement un relâchement terrible de ces gestes, ce qui occasionnera naturellement une reprise en main de ces mesures au niveau gouvernemental et puis surtout aussi la sensibilisation intense de la population face au danger de la deuxième vague. Dès ce jeudi 26 novembre 2020, la police ville de Kinshasa reprend le contrôle du port des masques et le respect des gestes barrières, comme l'a rappelé précédemment le commandant de la ville. Est-ce dans la moutouka officielle, est-ce dans la privée, est-ce dans le taxi, il faut masque correct et obligatoire. Même la wewa, ce que tout le monde wewa, à la masque, tout le client a été tokokanlaye, naye, na kriyanaye, nenge moko, na batamituk. À partir à lobby, police a causé partout. Dans la capitale, la montée des cas de coronavirus inquiète. Le commissaire provincial de la police a tenu une réunion de commandement. Le général Silvano Kasongo a rappelé ses collaborateurs à l'ordre. Ils doivent faire respecter les décisions de l'autorité urbaine prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, comme l'affirme le porte-parole de la police de Kinshasa. Contrôle par toutes les unités du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa du port obligatoire et correct de cache-nez sur la voie publique à partir de ce jeudi 26 novembre 2020. Interpellation des tenanciers de funérarium surpris en flagrant délit d'organisation de veillées mortières, contrairement à la décision de la haute hiérarchie. Le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo a également rappelé le respect que doit tout conducteur au cortège des officiels qui sont prioritaires. Recommandation aux usagers de la route au respect strict des cortèges des officiels justifiés par les motards et sirènes qui les accompagnent. Les récalcitrants seront immédiatement interpellés par la police pour en savoir leurs intentions. La ville de Kinshasa étant le siège des institutions de la République, elle doit montrer l'exemple dans le respect de la loi. Voilà Bandeko, vous devez savoir qu'aujourd'hui l'ancien président de la République coûte cher à notre gouvernement, coûte cher à l'État congolais, plus de 185 millions de dollars qui sortent chaque mois pour le traitement et pour la retraite de M. Joseph Kabila, Ekomi Tro, Ekomi Ebele. Aujourd'hui, on nous parle tout le temps de dépassement budgétaire à la présidence, mais on oublie de nous dire que la personne fautive, on oublie de nous dire que le responsable de ces dépassements, c'est M. Joseph Kabila et c'est plus de 2500 hommes qui sont là pour sa sécurité. En tout cas, c'est trop pour Nambo Kanabiso d'avoir tout un bataillon, plus de 10 bataillons pour
la sécurité d'une seule personne. Ici, on est en train de voir que M. Kabila est à la base du saignement du budget Oyo Yambo Kanabiso. Ce qui nous offusque aujourd'hui, c'est de voir que M. Joseph Kabila, pendant plus de 18 ans, a eu le temps de devenir milliardaire. Aujourd'hui, M. Joseph Kabila a des parts dans toutes les sociétés Nakati Yambo Kanabiso, dans toutes les banques Nakati Yambo Kanabiso. M. Joseph Kabila est introduit dans toute l'économie Yambo Kanabiso. Et ça ne le suffit pas. Nous voyons que certains de ses lieutenants disent qu'il faudra encore lui donner plus d'argent. En tout cas, je crois qu'il est temps de stopper ce saignement, il est temps de stopper cette hémorragie au peuple congolais Bakomi co-assisté. Alors, Awa Tuzana, ancien candidat à la présidence, M. Noël Tchani, qui est en train d'expliquer qu'il va faire opposition contre ce salaire-là de Tchelibino Malobanae Bolanda. Et je vous informe que je vais saisir la Cour constitutionnelle pour montrer l'inconstitutionnalité de cette loi, étant donné que ça vous donne trop d'avantages par rapport au reste de la population. Et surtout, ce qui est grave, c'est que cette loi a été approuvée pendant que vous étiez président de la République. C'est une situation de conflit d'intérêts où vous vous êtes donné tout, où vous vous êtes servi à la caisse au lieu de servir la République démocratique du Congo. Nous allons saisir la Cour constitutionnelle pour annuler cette loi. Et demander, et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'une loi sur les anciens chefs de l'État. La Constitution protège tous les citoyens congolais. Donc, si on doit vous donner une pension, moi, je voudrais qu'on puisse regarder les exemples de pays tels que les États-Unis d'Amérique, la France, le Sénégal, le Rwanda. Le Rwanda touche, le président rwandais touche par mois, par an, s'il vous plaît. Par an, il touche 85 000 $. 85 000 $ divisé par 12, vous allez voir qu'il touche moins de 10 000 $ par mois. Moi, je voudrais être généreux avec vous, président, ancien président de la République, Joseph Kabila. Vous pouvez vivre avec une pension de 15 000 $ par mois, pas plus que ça. Et nous allons vous donner ce qui est prévu dans la Constitution, entre 2 et 7 policiers pour vous garder, pour vous assurer la sécurité. Vous n'avez pas besoin donc de 5 bataillons totalisant 2500 gardes républicaines. Pourquoi ? Parce que ça pose une menace sécuritaire à notre pays. Vous savez pourquoi ? Le jour que vous qui êtes militaire, vous vous réveillez et vous n'êtes pas content, vous prenez les 2500 militaires, vous allez envahir toutes les institutions de la République, vous avez fait un coup d'État. Donc c'est ça que vous préparez. Nous vous demandons de pouvoir abandonner cette idée-là. On va vous remettre donc dans les rangs des citoyens normaux. Vous pouvez vivre dans le pays, utiliser tout l'argent que vous avez accumulé pendant 18 ans là, parce que je sais que vous êtes aujourd'hui l'homme le plus riche. Vous êtes plus riche que notre pays. Vous avez 123 entreprises évaluées dans des milliards qui vous appartiennent à vous et aussi à votre famille. Vous avez 120 concessions minières qui vous appartiennent à vous. Concession minière, je donne l'exemple d'une concession minière. L'île de Matéba au Bas-Congo, sous le sol de l'île de Matéba, on trouve qu'il y a des minéraux. Mais l'île de Matéba est grande comme la République du Sénégal ou bien la République du Mali. Ça vous appartient. Et vous avez plusieurs concessions comme ça sur l'ensemble du territoire national. Vous avez des banques comme la BGFI Bank. Vous avez des fermes comme la ferme de l'Espoir et Consort. Vous avez des bâtiments. Voilà Bandeko, vous savez que la paix à l'Est Yambo Kanabiso est une des priorités pour le président Félix Antoine Tshisekedi à Lobi Kakosala Nyon, surtout pour Yambo Kanabiso et retrouver paix et retrouver stabilité économique. Alors ici, il a envoyé M. Bitakwira et son représentant personnel, M. Yannick Lutandila, à l'Est pour une caravane de paix. Torotiel Abino, image na message Oyo, président Atindaki, Bandeko Nabiso, ya Est, Bolanda. Bon, merci pour le conseiller spécial du président Tshisekedi. Jinayake Yannick Lutandila. Son nom, c'est Yannick Lutandila. Je vais vous donner un micro, un message, vous avez un rendez-vous, mais je vais vous donner un rendez-vous. Aïe, vous avez dit oui. Maurice Choka. Quand vous avez choqué, vous avez dit oui. Merci, Excellence, merci. Asante Salam. Ouvira Jambo. Ouvira bonjour. Ouvira Jambo. Ouvira bonjour. Bon, je vais m'exprimer en français parce que je ne connais pas les Swahili. Je vous promets, je vais apprendre. Nitazongo Moza, quoi que tu parles, ça va vous faire un petit Swahili. Et donc,
Les chefs de l'État m'a choisi pour conduire cette délégation avec Freddy, honorable Missare, Claude et avec Maman José Amima. On est dans à 5 pour cette délégation de la paix. On est venu ici pour dire aux fils et aux filles de Kivu de sortir de la forêt. Le temps de la guerre est terminé. Le chef de l'État est déterminé pour mettre la paix dans ce coin de la province. Nimekuja na wenzangu, tumetumwa na rais wa nchi, na tumetumwa kuambia watu wa Sud-Kivu kwamba wakati wa vita umekwisha, tutoke na tufanye amani. Le chef de l'État ne veut plus de guerre. Il y a eu tant de réunions, il y a eu tant de forums sur la paix, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, il est déterminé à finir cette guerre. Les troupes étrangères vont rentrer chez eux, les enfants du pays vont sortir de la forêt. Le président de la République, non, Raïs Wainti, a mepania kuleta amani. Wakati wa vita umekwisha. Makundi ya wapiganaji kutoka nje atarudi kwao na makundi ya vijana wetu watarudi na waingie jeshini. Le chef de l'État compte sur honorable Bitapira qui l'a reçu en 3 reprises. Rais wa nchi anamtegemea sana Bitapira na amempokea mara 3. Et nous comptons aussi sur vous, la jeunesse, et je vous promets au nom du chef de l'État, nous allons reconstruire cette province, il y aura des emplois ici, il y aura des investisseurs qui vont arriver. Et nous, tunawategemea pia vijana, tutajenga upya mkoa wetu huu, tutakuwa. Voilà Bandeko, tokomi na suka ya émission na biso, merci na bino nyonso tu, oyo bolanda ki biso, à très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le 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 le, oh mame, le 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 le. Basala 18 ans, basale no côté, bazo senga, bazo nga leli souse, batika bafoule bele na Congo, malake la Congo na biso mabe. Loba ki kongwe ko bonga te Fachaji kongwa pesi yango la nzambe Okasa kabinda yango ye sila e Okende universite sila e Masode muto musala kitoko Okende kisangani musala kitoko Kongo mobima musale zo salama Chine ma